Marzo 1943. Parigi è occupata dai tedeschi. È un periodo torbido e con tanti misteri che si trascinano ancora oggi. L'esposizione massonica del Grand Palais di Parigi, che girerà poi tutta la Francia, è basata sul bottino fatto dai tedeschi su ordine dei Rosenberg e dei collaborazionisti francesi, tutti acerrimi antimassoni, nella sede della loggia di Francia a Rue Cadet. Uno degli organizzatori di questa mostra è stato William Guédin de Roussel. Altro organizzatore, Bernard Fay dell'Archivio di Francia. Guédin de Roussel lo incontriamo in Argentina. Signor Roussel, quando e come è arrivato in Argentina? Là. Ero partito per Genova e lì sono stato ricevuto da padre Venturelli, che mi ha facilitato il soggiorno e mi ha trovato un battello che partiva diretto per l'Argentina, passando per le Canarie. Che anno era? Il 1948. Che ricordo ha di quel periodo oggi? In Francia, prima della guerra, ero amico con Bernard Fay, che, come lei sa, scriveva molto sulla framassoneria. Questi mi aveva chiesto di portargli da Berlino delle informazioni sulle logge di rifugiati francesi che si erano raggruppati nella Prussia orientale e che erano framassoni. Per avere queste informazioni mi sono rivolto al servizio delle SS che riuniva tutti i documenti sulla massoneria. E questi ci hanno mandato questi documenti a Parigi. Qui vivevo in una piccola stanza nella Rue de Saint-Père e la portiera venne a dirmi, terrorizzata, che c'era un tedesco che voleva... Gli dissi di farlo entrare. E questo signore mi disse che era incaricato dal suo governo di occuparsi della questione massonica in Francia. Ma chi era quel signore? Era un ufficiale delle SS. Si chiamava... Non lo ricorda? Si chiamava Moritz. Allora ha creato una sezione della Biblioteca Nazionale che era la sezione delle società segrete. Ed è in questa sezione della Biblioteca Nazionale che abbiamo riunito tutti gli archivi delle logge di Francia. Perché altrimenti i tedeschi avrebbero portato tutti gli archivi a Berlino e non avremmo visto niente. In questo modo siamo stati in grado di ricostruire la storia della framassoneria e la composizione delle logge. Lei ha partecipato anche alla rivista Document Masonique? Sì, naturalmente. In questa sezione delle società segrete abbiamo stabilito un museo in via Cadet, nella sede del Grande Oriente di Francia, che era un posto molto sporco, situato in un luogo orribile di Montmartre, un posto immorale, insomma. E quindi abbiamo pulito tutto e ogni cosa è stata messa in ordine. E ho stabilito lì il mio ufficio e ho creato una commissione per gli studi giudaico-massonici con tre o quattro amici. C'era Coston, Marques Rivière, c'era Paul Schacht. E ha curato anche l'esposizione antimassonica al Grand Palais di Parigi. Sì, era Paul Riche che aveva organizzato l'esposizione massonique. L'avete fatta con tutto il materiale trovato a Rue Cadet. E con quello trovato in tutte le logge di Francia.
Ed è con questo materiale che abbiamo potuto fare l'archivio dei massoni, molto importante. Perché quello che volevamo non era perseguire i massoni, cosa che era illegale, ma perseguire la massoneria come società segreta. E quindi bisognava pubblicare i nomi di tutti i massoni, e in particolare quelli che ricoprivano cariche pubbliche. Era una pulizia della Francia da tutti quegli elementi che avevano provocato la guerra e che mantenevano delle relazioni con l'Inghilterra e l'America. A fine guerra lei è stato condannato? Sì, certo. Qual è stato il capo d'accusa? Collaborazione con i tedeschi, perché io e Bernard Failly avevamo relazioni con i tedeschi per creare questa organizzazione. Io ho sempre collaborato con i tedeschi, ho degli amici in Germania e non so che cosa mi si rimproveri. È stato condannato a morte? Sì, a morte. Senta, nel film Forza Occulte c'è una parte che riguarda l'iniziazione alla massoneria. È una parte veritiera? Assolutamente sì, perché l'autore di quel film era maestro di una loggia a Parigi. Marques Rivière, non so perché, aveva creato una polizia antimassonica. E noi non avevamo rapporti con la polizia antimassonica. Ma che cosa faceva questa polizia? Non lo so. Avevamo pochi rapporti. Veniva a volte alle conferenze, alla società che avevamo creato. Lei quindi faceva solo un lavoro di tipo intellettuale e lui un lavoro di polizia. Sì, un lavoro diciamo intellettuale, di ricerca. Sì, anche se non c'era molto da fare, perché per i fratelli massoni, almeno in Francia, non so negli altri paesi, appena si solleva un velo sparisce tutto e tutti e non c'è più niente. Roussel, Paul Riche, Marques Rivière e Bernard Failly organizzarono la mostra antimassonica, curarono anche la rivista Document Massonique e realizzarono anche un film di successo all'epoca, Le Forze Occulte, uscito a Parigi e Champs-Élysées nell'aprile del 1943. È un film curioso. In questo film il protagonista, Avenel, incarna tutti i temi ultracattolici cari all'ideologia di Pétain, Dio, patria, famiglia e lavoro, contro le tesi dei massoni che sono così accusati di catastrofismo, mafia, affarismo e decadenti principi democratici. Nel dopoguerra i tre autori sono stati condannati a morte per la loro attività propagandistica. De droite à gauche, ce Parlement ne représente que la corruption. Vous n'avez cessé de pousser la classe ouvrière à la misère. Et vous, communistes, vous avez cessé d'exploiter cette misère voulue par les capitalistes. J'ai eu conscience de vous dire quelques vérités, peut-être désagréables, mais utiles. Non, ce ne sont pas quelques interruptions qui m'arrêteront. La communauté française ne se bâtira pas sur le conflit de la vieille bourgeoisie égoïste et du peuple affamé. C'est pourquoi je ne voterai pas ce projet qui donne satisfaction au capitalisme international et serait le bon prétexte pour les communistes à accentuer nos divisions. Je ne le voterai pas. Je serai sans doute le seul à ne pas le voter. Car il semble que par une étrange aberration, la Chambre tout entière soit prête, comme toujours, à trahir l'intérêt français au bénéfice de certains intérêts internationaux très particuliers. Oh.
Il a du courage, ce petit Abner. Ces petits nationaux trop puritains nous font perdre notre temps. Il faudrait l'éduquer un peu. De quelle loge est-il? Il n'est pas de chez nous, mon frère Dubois. Tout s'explique. Voilà un garçon intelligent qui a besoin d'une méthode et de conseils. Présentez-le donc. Il est sensible, il faudra procéder avec précaution. Envoyez-lui la rivière, il saura le persuader. J'y vais. Mon cher vénérable, nous avons un service à vous demander. Enfin, des dons, je vous suis tout dévoué. Le jeune Avenel, qui vient de parler assez bruyamment, devrait subir les épreuves de l'initiation. La maçonnerie lui apporterait beaucoup et le disciplinerait. Ne croyez-vous pas? J'y pensais déjà. Nous allons nous en occuper activement. Alors, je suis brisé. Comment avez-vous trouvé mon discours? Excellent. Vous leur avez dit de fort bonnes vérités. Ouais, ça n'a pourtant servi à rien, ils ont voté le projet. Ça ne sert jamais à rien de dire la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Ils préfèrent de beaucoup les mensonges. Vous êtes cynique. Non. J'ai une certaine expérience politique, déjà ancienne. À propos, voulez-vous venir un peu avec moi? J'ai quelque chose à vous dire. Volontiers. Oui, voyons, je voulais vous dire, si nous reprenions notre conversation sur la franc-maçonnerie, vous m'avez dit l'autre jour que vous étiez curieux de connaître cette association. Ah oui, on en dit tantôt du bien, tantôt du mal. Je vous avoue que je n'aime pas beaucoup les sociétés secrètes. La franc-maçonnerie n'est pas une société secrète. C'est une société discrète. Avenel, qui nous est recommandé par notre frère Gainsbourg, vice-président de la Chambre, est député. Cela ne nous impressionne pas. Nous devons surtout examiner ce qu'il pourra apporter à la franc-maçonnerie. Il nous faut des gens qui servent notre ordre et contribuent à sa puissance. Pour l'instant, il paraît afficher des idées nationales un peu trop absolues. Mais enfin, je voudrais vous prévenir d'une chose. Comme il est de notre intérêt de tenir en main un grand nombre de parlementaires, il vaudrait peut-être mieux ne pas lui poser des questions qui pourraient le choquer. On nous le signale comme assez sensible sur les questions spirituelles ou religieuses. Quand il aura travaillé quelque temps parmi nous, il aura évolué. Silence le plus absolu, mes frères. Qui frappe ainsi régulièrement à la porte du temple? C'est un profane qui demande à être interrogé, vénérable maître. Faites entrer le profane. Déclaré vouloir faire partie de la franc-maçonnerie. Mais nous désirons savoir qui vous êtes. Nous allons donc vous interroger sur vos sentiments, vos croyances, vos idées politiques. Répondez-nous sans vous troubler, mais en nous disant la plus stricte vérité. Consentez-vous à cet interrogatoire? J'y consens. Monsieur, croyez-vous en Dieu? Et pourquoi? Vous semblez être déçu par ce premier contact.
avec ta maçonnerie. Ben, l'interrogatoire est assez pénible. J'ai dû paraître ridicule. Vous vous trompez. D'autres qui sont passés avant vous ont moins bien répondu. Vous avez été reçu avec une majorité convenable, 16 voix contre 10. Comment, j'ai eu 10 voix contre moi? Non, non. Deux seulement. Deux. Mais les voix d'opposition comptent pour 5. Un opposant de plus, et vous étiez plaque poulet. La maçonnerie est difficile sur le choix de ses candidats. Pas assez, mon cher, pas assez. Je dois même vous avertir que lorsque vous serez en loge, vous serez déçu. Le milieu maçonnique est épouvantablement médiocre. Vous verrez que vous vous apporterez plus que vous ne recevrez. Mais ces rites dont vous m'avez parlé, ces initiations mystérieuses... De bêtises. Il y en a qui y attachent un certain sens symbolique. La plupart des maçons ritent eux-mêmes de ces vieilles pratiques désuètes. Seulement, le jour de votre initiation, tenez-vous bien, les épreuves de la cérémonie ne sont pas commodes. Quelle heure est-il, frère second surveillant? Il est midi, vénérable maître. Puisqu'il est l'heure du travail, frère premier second surveillant, invitez les frères de vos colonnes à se joindre à vous et à moi pour ouvrir les travaux de la respectable loge des enfants de l'univers Orient de Paris au grade d'apprenti en la forme accoutumée. À moi mes frères, par le signe, la triple batterie et l'acclamation. On déplace les frères, les travaux sont ouverts. Mes frères, l'ordre du jour appelle l'initiation du profane Avenel. L'atelier a voté dans une précédente tenue l'admission du dit profane. Nous allons donc ce soir le recevoir solennellement. Mon frère couvreur, veuillez aller chercher le profane Avenel qui a écrit son testament philosophique dans le cabinet de réflexion. Monsieur, veuillez me suivre. Qui frappe ainsi régulièrement à la porte du temple? Vénérable maître, c'est un profane qui demande à être reçu maçon s'il en est jugé digne. Frère, armez-vous de vos glaives. Faites entrer le profane. Laissez-vous, monsieur. Monsieur, cette épée que vous sentez sur votre poitrine est toujours levée pour punir le parjure. Elle est le symbole du remords qui déchirerait votre cœur si vous deveniez traître à la société dans laquelle vous voulez entrer. Est-ce de votre propre volonté, en pleine liberté, que vous vous présentez parmi nous? Oui. La franc-maçonnerie est une institution qui ne procède que d'elle-même. Elle prend sa force dans la raison. Persistez-vous toujours dans vos intentions? Êtes-vous bien déterminé à vous soumettre aux épreuves, quelles qu'elles puissent être? J'y consens. En ce cas, confiez-vous à la main qui va diriger vos pas. Mais, comme il serait imprudent de s'imposer des obligations dont on ne connaîtrait pas l'étendue, il est de la sagesse de cette respectable assemblée de vous dire quels seront vos devoirs si elle vous admet dans son sein. Le premier est un devoir absolu de secret sur tout ce que vous pourrez entendre et découvrir parmi nous, ainsi que sur tout ce que vous verrez et saurez par la suite. Je dois exiger de vous un serment prêté sur la coupe des libations. Consentez-vous à le prêter? Oui. Frère expert, faites approcher le profane. Et vous, maître des cérémonies, apportez la coupe des serments. Présentez la coupe au profane. Prononcez avec moi le serment. Je m'engage sur l'honneur, au silence le plus absolu, sur tous les genres d'épreuves qu'on pourra me faire subir. Je m'y engage.
Vous devez connaître toute l'importance d'un serment. Si jamais vous manquiez à une parole aussi solennellement donnée, buvez. Buvez ! Buvez ! Que ce breuvage amer soit pour vous le symbole de l'amertume et du remords, que laisserait dans votre cœur le parjure qui aurait souillé vos lèvres. Frère expert, emparez-vous du profane et faites-lui faire son premier voyage. Là-là, c'est un profane qui demande à être reçu maçon. Comment ose-t-il l'espérer? C'est qu'il est libre, mais de bonne mœur. Puisqu'il en est ainsi, qu'il passe. Monsieur, le voyage symbolique que vous venez de faire est l'emblème de la vie humaine. Le bruit que vous avez entendu figure les passions qui l'agitent. Les obstacles que vous avez rencontrés peignent les difficultés que l'homme éprouve et qu'il ne peut vaincre ou surmonter que grâce à l'aide qu'il trouve dans ses semblables. Frère expert, faites faire le deuxième voyage. Qui va là? C'est un profane qui demande à être reçu maçon. Comment ose-t-il l'espérer? C'est qu'il est libre et de bonne mœur. Puisqu'il en est ainsi qu'il passe, et qu'il soit purifié par l'eau. Monsieur, nous avons procédé à l'épreuve de l'eau qui représente l'épuration de votre esprit naissant à la vie maçonnique. Votre cœur doit être limpide comme l'eau pure. Frère expert, faites faire le troisième voyage. Qui va là? C'est un profane qui demande à être reçu maçon. Comment ose-t-il l'espérer? C'est qu'il est libre et de bonne mœur. Puisqu'il en est ainsi qu'il passe par les flammes. Monsieur, les flammes dont vous avez été environné ont achevé vos épreuves. L'ordre maçonnique dans lequel vous demandez à être admis pourra peut-être un jour exiger que vous versiez jusqu'à la dernière goutte de votre sang pour sa défense et celle de vos frères. Je vais maintenant vous faire prêter serment à la franc-maçonnerie. Frère expert, amenez le profane à l'hôtel. Mes frères, debout, à l'ordre et glaive aux mains. Moi, Pierre Avenel. Moi, Pierre Avenel. De ma propre et libre volonté. De ma propre et libre volonté. En présence de cette respectable assemblée de maçons. En présence de cette respectable assemblée de maçons. Je jure et promets solennellement. Je jure et promets solennellement. De ne jamais révéler aucun des mystères de la franc-maçonnerie qui vont m'être confiés. De ne jamais révéler aucun des mystères de la franc-maçonnerie qui vont m'être confiés. Monsieur, le serment que vous venez de prêter ne vous donne-t-il aucune inquiétude? Consentez-vous à le renouveler lorsque vous aurez reçu la lumière? Je le renouvellerai. Mes frères, nous allons donner la lumière aux profanes. Père couvreur, préparez-vous à accomplir votre office. Que la lumière lui soit donnée à mon troisième coup de maguette.
Ces glaives que vous voyez tourner vers vous vous annoncent que tous les maçons voleront à votre secours si vous respectez et si vous observez nos lois. Mais ils vous annoncent aussi que si vous trahissez votre serment, vous n'échapperez pas à la vengeance de tous les frères répandus sur la surface du globe et qui ont juré de punir le parjure. Le jurez-vous, mes frères ? Mon frère Avenel, nous allons bientôt vous mettre à contribution. Oui, un de nos amis de notre loge voudrait un bureau de tabac. Le Grand Orient est submergé de monde en ce moment. Avec vous, ça ira peut-être un peu plus vite. Volontiers. Je vous remercie. Ah, dans quelques temps, je vous parlerai aussi d'une autre affaire. Depuis plusieurs années, j'ai droit à la Légion d'honneur. Je ne m'en suis jamais occupé, je n'ai pas voulu déranger nos amis pour ça, on leur demande déjà tellement de choses, n'est-ce pas? Vous m'aiderez. À votre service. Merci beaucoup. Alors, on nous revoit. Ah non, comme ça. Voyez-vous, des petits coups secs avec le pouce, là, comme ça. Pan, pan, pan. Essayez. Pan, pan, pan. Et ben voilà. Avec ce signal-là, on ouvre toutes les portes. La parte finale del film riguarda la presa di coscienza del deputato, ora fratello Avenel, di una massoneria affaristica e miope. Siamo così alle soglie della guerra, nella primavera del 1939. Per vendere armi, i massoni istigano il governo francese al conflitto. Quella degli autori di Forza Occulta è una lettura del tutto particolare dello scoppio dell'ultimo conflitto mondiale. Avenel, nel film, si rende così conto del dramma che si sta per compiere. La Francia è impreparata, ma nulla può contro le forze occulte, che fra l'altro lo mandano all'ospedale il giorno in cui scoppia la guerra. Notre armée n'est pas en état de résister. La faiblesse de notre aviation est flagrante. Touchez-vous n'est qu'une sinistre comédie. Avenel. 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 Excusez-moi, comme vous, j'habite Neuilly. C'est pourquoi je me permets de vous rejoindre. Mais vous avez fort bien fait, mon frère. J'étais près de vous à la tenue. Un instant, je vais voir ce que vous avez. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Tu guériras tout. Le docteur a dit maintenant que... Ils ont réussi à déclencher leur guerre. Retirons-nous en paix, mes frères, sous la loi des sciences.